One Love, bonjour à tous, c'est Dada pour toi et toi. Ben voilà une petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est le fait que, donc quand j'ai pris connaissance de la fraude du nom légal, de l'UCC au PPT, tu vois, UCC, Uniform Commerce Code, donc le code du commerce uniforme. Il s'agit donc du commerce maritime. Le truc à savoir, c'est que la plupart des comment ça s'appelle, des lois, etc., que nous avons dans le code civil, le code pénal, ben, ne sont pas des lois en fait, ce sont des codes, comme leur nom l'indique déjà, et c'est tout simplement le code du commerce maritime. Donc cette vidéo, c'est parce que depuis que j'ai pris connaissance de cette chose, j'ai remarqué que du coup, c'est la loi de l'amirauté plutôt que la loi de la royauté qui prime sur Terre. Donc la loi de l'amirauté, donc c'est tout ce qui concerne la mer, quoi. Les lois de l'amirauté, c'est la mer. Après, les lois de la royauté, ça concerne la Terre. Or, nous sommes des pardon, des êtres vivants terrestres. Nous ne sommes pas des poissons, on ne vit pas dans l'eau, on ne vit pas sur l'eau, tu vois. Nous ne sommes pas des mammifères marins non plus. Nous sommes des mammifères terrestres. Nous marchons par terre. Tu vois? Donc, si nous sommes des mammifères terrestres, comment se fait-il que énormément d'expressions viennent des expressions dans le langage quotidien, bien sûr, des expressions de la mer et des termes juridiques du commerce maritime. Donc les termes juridiques qui sont du commerce maritime utilisés dans le langage quotidien, ben, j'ai noté tout ça. Il y en a un paquet et je sais que j'ai pas tout noté, j'en suis même pas à la moitié en vrai. Tu vois, mais bon, faut réfléchir, machin. Regarde. Par exemple, nous habitons sur Terre. Pourquoi dit-on débarquer ou embarquer? On n'embarque pas dans une maison. Débarquer veut dire sortir d'une barque. Bref, sortir d'un bateau. Tu vois, embarquer, ça veut dire monter dans un bateau. Ok? Tu vois, ça veut pas dire arriver quelque part. Ça veut pas dire monter dans une voiture. Tu vois, on n'embarque pas dans une voiture. Hein? On embarque dans un bateau, dans une barque. Voilà, embarquer. Rentrer dans la barque, débarquer, sortir de la barque. Voilà pourquoi le terme débarquement. Par exemple, il y en a bien d'autres. Virer de bord. On ne peut pas virer de bord si on est par terre. Quand on est par terre, on tourne. On change de direction. Tu vois? À bord. On monte pas à bord d'un camion. On monte dans un camion. Tu vois? Aborder aussi. On n'aborde pas quelqu'un. Aborder, c'est quand, tu vois, à l'abordage, tu vois, t'as un bateau, il arrive à côté de l'autre, et puis par exemple, c'est un bateau pirate, et puis t'as les pirates, ils rentrent dans le. Ils rentrent dans le bateau. C'est ça, aborder. Et t'as aussi transborder. Donc transborder, c'est prendre de la marchandise et la mettre dans un autre bateau. Donc d'un bord à un autre. Transborder. Tu vois, comme trans, tu vois. Tu vois, d'un bord à un autre, quoi. Être dans la même barque. Ou être dans le même bateau, mener sa barque, être en nage, ramer, ah, ça, l'ordi rame, un ordi ça rame pas. T'imagines un ordinateur dans un bateau là, comme ça, avec des avirons, hein, pour ramer. T'as quoi d'autre? Voilà, ramer, galérer. Ouais, je suis en galère, je galère, ouais, je suis un galérien. La ligne, une ligne. C'est pas un trait, une ligne. Une ligne, c'est un fil pour pêcher. Point barre. Tu vois ce que je veux dire? Point à la ligne. Tu vois, on dit les lignes d'un cahier. Mais en vérité, ce sont des traits. Couler. Oh, mon entreprise, elle a coulé. D'où ton entreprise, elle a coulé? Ton entreprise a fait faillite. Elle n'a pas coulé. Elle a fait faillite. Tu vois? C'est pas la même chose. T'as mis la clé sous la porte. T'as pas jeté la clé dans l'eau.
Tu vois? D'ailleurs, on dit, ah tiens, bon allez, j'y vais, je me jette à l'eau. Pourquoi? Pourquoi pas? Allez, bon, j'y vais, je commence, je démarre. Tiens, un bâtiment. Normalement, on habite dans une maison. Pas dans un bâtiment. À la rigueur, un immeuble. Une construction. Pas dans un bâtiment. Jeter une bouteille à la mer. Oh, je jette une bouteille à la mer, on sait jamais. Voilà, mais tu jettes pas de bouteille à la mer, en vrai. C'est t'appelles au secours. C'est pas la même chose. Une entreprise créée, une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? Ben, une entreprise, c'est un bateau. Pareil. Une corvette, c'est pas une voiture. C'est un petit bateau qui va assez vite. Il y a voilé, dévoilé. Tu vois? On dévoile pas quelque chose, on dévoile un bateau. Tu vois? Mettre les voiles au lieu de dire je m'en vais. C'est le calme plat. Ah, ça c'est quand il n'y a pas de tempête. D'ailleurs, il y a le calme avant la tempête. Il y a le terme pirater. S'orienter. Parce que sur Terre, on se dirige, on ne s'oriente pas. On s'oriente dans la mer. Tu vois? S'aborder. Tu vois, on ne s'aborde pas à une entreprise, par exemple. Enfin, par exemple, hein, on la sabote. C'est pas la même chose. Donc s'aborder, c'est un autre terme. Tu vois, on surfe sur le web. Ouais. On surfe sur le web. Draguer. Tu vois, le terme draguer. Le terme draguer, ça veut dire, c'est draguer, tu peux draguer une rivière, tu peux draguer une mer, quoi. Enfin, tout dépend de la profondeur. Tu vois? Le terme draguer, c'est racler le fond. Ça peut être le fond d'un lac, le fond de la rivière, le fond de la mer, tu vois, pour chercher quelque chose, quoi. Donc tu racles et tu draines au fond de la mer, quoi, tu vois. Enfin, au fond de l'eau, quoi. C'est ça, draguer. Tu vois, il y a des gens qui disent, oui, moi, mon port d'attache, c'est à Paris. Ouais, moi, mon port d'attache, c'est à Marseille. Ben, moi, mon port d'attache, là, c'est à Montréal, Christ de ce petit tabernacle. Ben, un port d'attache, c'est là où le bateau est la plupart du temps lorsqu'il n'est pas sur les mers. Voilà, comme je disais tout à l'heure, profond, la profondeur, tu vois. Ouh, tu as l'esprit profond, tu vois, mais non, c'est pas profond, c'est pas de l'eau ton esprit. Ouh, tu vois? La jungle profonde, mais non, t'es au fin fond de la jungle, mais t'es pas dans la jungle profonde. La jungle, tu nages pas dans la jungle. Tu vois, c'est un exemple, tu vois? Je sais pas, avoir une maison dans chaque port. T'as pas une maison dans chaque port. Si t'as des maisons en plusieurs endroits, t'as des résidences secondaires à différents endroits. Voilà, c'est tout. Le niveau. Ah, le ni niveau aussi. Tu vois, le niveau. C'est le niveau de la mer. Tu vois? T'es à quel niveau, mec? À la barre! Qu'on t'appelle à la barre. À la barre, c'est le mec qui dirige le navire. Hein. Les cordages. Un véhicule est un bateau qui flotte sur l'eau. Sinon, on dirait pas ni véhicule aérien, ni véhicule terrestre, ni véhicule spatial, soi-disant. Vous avez le scaphandre. Scaphandre, c'est une combinaison pour aller sous l'eau. Ce n'est pas un. Voilà, quoi. C'est pas un truc comme dans E.T., machin, pour aller à côté des volcans. Flotte aérienne, pourquoi on dit flotte? Tu vois, ils ont mis tous les termes de la marine à l'aviation. Tu vois? On devrait dire l'aviation, tout simplement, pas une flotte. Aérienne, ça flotte pas, ça vole. C'est pas la même chose. Hein, tu vois? Un avion cargo. Cargo, un cargo, qu'est-ce que c'est un cargo? Un cargo, c'est. Moi, je regarde ici, ça enregistrait bien la caméra. Donc, un cargo, qu'est-ce que c'est? Un cargo, c'est un bateau qui transporte des marchandises, pas un avion. Donc, pourquoi dit-on un avion cargo? Le Zodiac, c'est quoi?
Ah, les signes du zodiaque, mais non, ça c'est l'astrologie, c'est les signes du ciel, pas le zodiaque. Le zodiaque, c'est quoi? Le zodiaque, c'est un bateau gonflable. Un maillot. Un maillot, c'est un t-shirt de marin à la base. C'est pas un slip pour se baigner. C'est pas non plus un. Comment dirais-je? C'est pas non plus le t-shirt d'un cycliste, quoi. Tiens, le gilet de sauvetage. Tu vois, dans les avions. Ça, c'est rigolo. Parce que dans les avions, on te donne un gilet de sauvetage. T'as un gilet de sauvetage accroché au siège ou sous le siège ou machin. Mais t'as pas. T'as le truc à oxygène, mais t'as pas de parachute. Ah, il n'y a que l'équipage qui a un parachute. La cale, calé, échoué. La cale, c'est une espèce de cave où tu ranges des trucs hein, dans le bateau. Parfois des esclaves à l'époque. Échoué. Tu vois, on n'échoue pas un examen. On n'échoue pas quand on entreprend quelque chose. On échoue quand le bateau, bah, il se perd et puis il va se taper contre une plage ou contre des rochers. Donc là, il a échoué le bateau. Tu vois? Une bite, c'est pas le sexe masculin, hein, c'est un truc pour attacher les bateaux. À la base. Larguer les amarres! Ouais, tu largues pas les amarres. Larguer les amarres, c'est quand voilà, tu détaches le bateau, tu lèves l'ancre et. Et tu t'en vas avec ton bateau. C'est ça, larguer les amarres. D'ailleurs, amarrer, amarrage, tu vois, mouiller. Mouiller, c'est quand le bateau, entre guillemets, il se gare quelque part, quoi. Dans un port, par exemple, ou dans une crique, il mouille. Tu vois, il balance l'ancre, il reste là. Parfois pour la nuit, parfois pour plusieurs jours, parfois, voilà, quoi. Un phare. Eh, les phares, c'est pas les lampes qu'il y a devant derrière les voitures. C'est pas ça, les phares. Un phare, c'est une tour avec une lumière pour guider les bateaux. Eh ouais. Un navire. Tu vois, l'équipage, tiens, je parlais d'équipage tout à l'heure. En équipage, c'est les gens qui bossent dans le bateau. D'où le terme équipe. Tu sais, t'as des petites équipes. Tu vois? Allez, l'équipage, donc c'est une petite partie des gens qui forment ce qu'on appelle une équipe et qui vont par exemple aller explorer une île. Juste un exemple, tu vois. Ensuite, tu as le capitaine, tu vois, tu peux pas être capitaine d'une équipe de sport normalement. Tu peux être le leader, le boss, je sais pas, le dirigeant, je sais pas, mais le capitaine. C'est celui qui porte le chapeau de commandant, on va dire, parce que capi, capot, chapeau, tu vois, casquette, tu vois, c'est celui qui porte la casquette, quoi. D'où l'expression porter le chapeau, porter la casquette, tu vois ce que je veux dire. Un pilote. Ah, un pilote, c'est pas un mec qui est dans un avion, c'est pas un mec qui est dans une Formule 1. Un pilote, c'est le mec qui donne la direction au bateau. Un pavillon. C'est pas une petite maison en banlieue parisienne avec un petit jardin devant et un garage. Et un petit étage, machin. Non, 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 pas du tout. Un pavillon, c'est un drapeau pour un bateau. Exemple, ici, le pavillon noir. Tu vois? Un mât. C'est pas un poteau. C'est pas le poteau central du cirque. Du chapiteau, ce n'est pas non plus un truc où tu grimpes, tu sais, des fois dans des fêtes ou quoi, de village, où ils accrochent, je sais pas, de la bouffe ou un truc en haut d'un poteau, et puis tu as des gens qui essayent de grimper, et celui qui réussit à attraper la bouffe, ben, c'est à lui. Ben, ça, c'est pas. Voilà. C'est pas un mât. Le mât, c'est le poteau qui est. Voilà, quoi. Des fois, tu as plusieurs mâts. Tu peux en avoir un, deux, trois, quatre mâts, plus, selon les voiliers, quoi, tu vois. Et donc, tu as un mât. Voilà, c'est le poteau qui est dans le bateau qu'on appelle un mât.
On ne devrait pas dire l'inverse, quoi. Un poteau qui est par terre, ça reste un poteau. Ah, y en a plein, hein. Tu vois, le flow. Pourquoi on dit le flow? Ouais, t'as un bon flow quand tu chantes, dada. Ah non, on dit que je chante bien, mais dis pas que j'ai un bon flow. C'est pas un flow, c'est pas de l'eau qui sort de ma bouche. Ce sont des mots, des vibrations. Tu vois? T'as la cabine, une cabine, tu vois. Il devrait pas y avoir de cabine d'essayage, il devrait pas y avoir de cabine de je sais pas quoi, ou de cabine ceci, cabine cela. Tu vois, une cabine, c'est une chambre dans un bateau. Point barre. Tu as le terme écume, écumé, tu vois, l'écume, c'est l'espèce de mousse des vagues. Et écumé, c'est quand tu sors l'eau, quand il y a trop de. Justement d'écume, de vagues qui sont rentrées dans le bateau, mais tu prends, je sais pas, un seau, puis tu racles et tu vides, tu vois, tu racles et tu vides. C'est ça, écumer, tu vois. On n'écume pas les océans, hein. On n'écume pas les routes, on n'écume pas les déserts, on n'écume pas les pays. Tu vois, ils ont confondu avec se déplacer, quoi, tu vois. Donc tu vois quoi? Tu vois quoi? Bah, le quartier. Quartier, quartier maître, donc les quartiers, quoi. C'est des parties du bateau, quoi. Chacun prend ses quartiers, chacun prend ses fonctions. Tu vois? T'as le quartier maître, c'est celui, c'est une sorte de régisseur qui... Voilà, une sorte de régisseur-chef, quoi, qui dit quoi faire selon le quartier dans lequel il bosse. T'as navigué, navigué, navigateur. Briquet. Briquet, c'est nettoyer le bateau. Tu vois, le pont. Ah, le pont, ouais. Ben non, à la base, le pont, c'était pas un truc qui relie, je sais pas, une falaise à une autre, ou qui te relie de l'autre côté de la rivière. Hein. C'était le plat du bateau, là, sur lequel tu marches et que t'es dehors. T'as les hublots aussi qui sont les fenêtres des bateaux. Tu vois? Mais maintenant on te dit qu'il y a des hublots dans des maisons. Au lieu de dire une fenêtre ronde, je sais pas. Hein. Flotter. Tu vois, flotter dans les airs, comme je parlais tout à l'heure de flotte aérienne, bah flotter dans les. Tu peux pas flotter dans les airs. Si tu flottes dans les airs, c'est que tu voles. C'est comme si on te disait voler dans l'eau alors que tu nages. Voilà, avoir le vent en poupe. Ça c'est pour les bateaux. La poupe, c'est l'arrière du bateau. Tu vois, c'est que le vent il te pousse. En ce moment, tout va bien pour toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as la corvée. La corvée, c'est en gros les travaux forcés dans le bateau. Mutinerie. Se mutiner, mutin. Tu vois, ben, le mutin, la mutinerie, c'est la révolte dans le bateau. Parce que sur Terre, ça s'appelle une révolte ou une insurrection. Accoster, tu vois, on n'accoste pas quelqu'un. Accoster, c'est que quand le bateau il arrive près des côtes. La quille, c'est le truc qui maintient l'équilibre du bateau. C'est pas un truc qui est debout et que tu jettes une boule pour les faire tomber. C'est pas tes jambes non plus. Rampe. Ah, la rampe. La rampe, c'est le truc pour monter, c'est pas le truc pour te tenir aux escaliers, parce que ça, c'est une balustrade. Eh ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. T'as quoi? Oh, mon projet est tombé à l'eau. Tombé à l'eau, pareil. Enfin, comme je disais, l'amirauté. L'inverse de la royauté. Enfin, l'amirauté, c'est le pouvoir sur les mers. Et la royauté, c'est le pouvoir sur les terres. Tu vois, t'as le compas et l'équerre qui sont des instruments de navigation. Et non pas de construction. T'as le nœud, la sirène. Tu vois, sirène de pompier. Tu vois, avant c'était la cloche des pompiers. Tu vois, ils ont dit c'est la sirène maintenant. Sirène de police, etc. Hissé. Hissé aussi, c'est quand tu. Ah, hissé la grand voile. Apporter, rapporter. Importer, exporter, transporter. Tu vois?
apporté, amené dans le port, rapporté, soit ramené dans le port, soit refaire partir du port. Importé, amené dans le port, donc exporté, faire sortir du port. Il s'agit toujours de marchandises, hein, et transporter, amener la marchandise d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'un port à un autre port. Liquide, liquidité, les rats quittent le navire, tu vois. Hameçon, hameçonner, se noyer, etc. Tu vois, il y en a plein. La nasse, nasser, c'est pas quand les CRS y t'entourent quand tu fais une manif. Hein. Une nasse, c'est une espèce de cage que tu jettes dans l'eau et puis les poissons ils rentrent dedans, ils peuvent plus en sortir. Et la nacelle, c'est pas l'espèce de panier qui est accroché à un ballon, à une montgolfière, quoi. C'est le truc où tu as le mec en haut, le vigile, celui qui a la vigie dans la nacelle, tout en haut du mât, tu vois. Et le vigile, c'est pas le mec de la sécurité du supermarché, hein. Tu vois, donc ça, c'est pas un vigile, c'est un gardien. Un mec de la sécurité, je sais pas, un agent de sécurité, mais pas un vigile. Le vigile, c'est le mec qui est en haut, c'est comme dans Astérix, les go, les go, les go, go, les Gaulois. Ça, c'est le vigile du bateau pirate. Tu vois, ancre, s'ancrer, l'ancrage, naufrage, naufragé, être en sous-marin, être déboussolé, perdre la boussole, perdre le nord, s'orienter, parce que dans les bateaux, on s'oriente. Sur Terre, on se dirige. Parce que la boussole, elle a été plus ou moins créée en tant qu'instrument de navigation, tout comme le compas et l'équerre qui permet de se positionner sur une carte marine en général. Tu vois, il y a refaire surface, toucher le fond, la coque. Ah, la coque, c'est pas le truc qui entoure ton téléphone. Tu vois, on dit la carrosserie d'une voiture, pas la coque d'une voiture. Tu vois, la coque, donc c'est la carrosserie du bateau. T'as container, box, boîte, caisse, coffre, tout ça c'est des termes de contenant pour des marchandises amenées par la mer. T'as raz de marée, la vague, faire des vagues. Ah, la première vague, la deuxième vague, tu vois, arraisonner. Arraisonner, c'est quand un bateau, on arrête un autre. L'approche et l'arrêt, tu vois, genre par exemple, je sais pas, un bateau de trafiquant de drogue, un bateau de police, et puis il vient la raisonner. On dit arrêter sur terre. Donc le voyage aussi. Le voyage, parce que sur terre, on voyage pas, on se déplace. Le voyage, à la base, c'était que la mer. Partir en voyage. Et t'as des tas de trucs comme ça, quoi. Le banc, les coursives, compartiment, éclaboussé, en eau trouble, ration, rationné. Oui, tout ça vient des termes maritimes. Mais je vous en dirai plus dans le live que je vais faire sur le sujet bientôt, parce qu'il y a tellement beaucoup à dire, et puis je reprendrai. Enfin, on reprendra tout ça ensemble dans le live. Et voilà, donc un live sur les termes marins et les termes juridiques du commerce maritime utilisés dans le langage quotidien comme affrété, armé, un bateau, tu vois, l'hélice, tu vois, l'hélice, un moulin, il n'a pas d'hélice. Un moulin, il a une roue. Et ouais, c'est la roue qui tourne. Tu vois, c'est pas les hélices. Les hélices, c'est sous gouvernail, 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 gouvernement. Ça vient de là même, c'est celui qui dirige le bateau. Ouais, t'en as plein, hein. Tiens, le filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'était des filets qu'ils mettaient autour du bateau pour quand les gens y tombaient, ils tombaient dans le filet plutôt que tomber dans l'eau. Course, faire une course, ouais, parce qu'il fallait que les bateaux arrivent avant les autres, hein. Par exemple, les bateaux anglais arrivaient avant les Espagnols, qui eux-mêmes voulaient arriver avant les Français, qui eux-mêmes voulaient arriver avant les Hollandais, etc. Tu vois, donc c'est. Voilà quoi. Enfin, t'en as, hein, t'en as.
Tu vois, tonneau aussi, tonneau, la contenance d'un bateau, quoi. Le nœud, la vitesse du nœud, le nœud sur une corde, alors que normalement, si c'est par terre, on dit une attache, faire une attache, tu vois. Ils mettent son grain de sel, tu vois, encore un terme maritime. Alors que nous vivons sur terre et que nous sommes tous, pour la plupart d'entre nous, issus de milieux plus paysans que marins, quoi. Pour la plupart des gens sur cette terre. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis one love et à une prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne jour-nuit et à très bientôt dans le live de dimanche soir qui parlera de ça, de ce dont je viens de parler. Terme juridique du commerce maritime utilisé dans le langage quotidien. One love.